mes petits choux, c'est moi, j'espère que vous allez bien. Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma petite routine abdo. Alors je vais vous expliquer tout simplement aujourd'hui comment avoir un ventre plat et comment, avec une alimentation saine, évidemment, parce que c'est extrêmement important d'avoir une alimentation saine pour que l'on puisse tout simplement voir ses abdos et aussi les... Enfin, surtout les exercices en fait. Donc n'hésitez pas à aller voir mes vidéos sur ma chaîne YouTube Nutrition et Grignotage que je vous mettrai en commentaire. Et sinon, on va commencer par 10 petites minutes d'abdos pour avoir un ventre plat. Voilà mes petits choux. Alors on va partir. Buvez un peu d'eau. Sentez-vous bien. Alors, super. Alors, je vais tourner un tout petit peu la caméra pour que tout le monde puisse me voir. Super. Alors, on est parti, on boit un petit peu d'eau. On est tranquille aujourd'hui. On fait une petite séance d'abdos qui va durer 10 minutes. Et sinon, si vous faites la séance, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire pour me dire comment est-ce que vous avez trouvé la séance et si vous avez réussi à tout faire. Voilà, pour que je puisse organiser la séance de la semaine prochaine de lundi. Alors, c'est parti. Donc, pour les personnes qui ont l'habitude de le faire avec moi, on va commencer par le mountain climber. Alors, voilà, même pour les autres, bienvenue et on va faire le mountain climber. Alors, le mountain climber, on se met sur les mains comme ceci en position de planche. On a le dos droit, on a les épaules sorties et on n'est pas avachi, on est comme ceci. Et on va essayer de toucher le genou avec le coude en faisant des petits sauts. Et on est parti dans 8 secondes. Allez! C'est parti. Go! Allez, go! Et on souffle bien. Et on a le dos droit et on saute. Soufflez bien. On a le dos droit surtout. C'est le plus important. On a les épaules sorties. On n'est pas avachi. Allez, soufflez. Super. Encore, encore 5 secondes. Super. Ensuite, on va passer en position de planche. Vous vous allongez avec les pieds collés. Il faut que ça fasse vraiment un plan. Et ensuite, vous vous surélevez. Donc là, on va attendre une petite 5 secondes. C'est parti. Et go, on contracte les abdos, on contracte les fessiers et on met la main en l'air. Et on souffle. Pour la première série, je vais bien expliquer pour que tout le monde puisse comprendre. Et ensuite, la deuxième, troisième série, ce sera un petit peu plus rapide. Voilà. Ensuite, on se retourne et c'est exactement le même exercice, mais de l'autre côté. Donc, si on était sur le coude gauche, on se met sur le coude droit, on s'allonge, notre corps doit être vraiment un plan. C'est parti! On n'est pas sur l'épaule. On contracte les abdos, on contracte les fessiers et on souffle. Soufflez, soufflez bien. C'est le plus important. Allez, tenez, on est tous ensemble. Super. Ensuite, on va faire tout simplement le knee to elbow. Ça veut dire qu'on va essayer de toucher le... Oui, la main. La main avec le genou. Donc, on est comme tout à l'heure, comme ceci. Et on essaye de toucher cette fois-ci le genou, la main avec le genou. Alors, on va mettre... Voilà, super. Et c'est parti pour 15 fois. Allez, on y va. Et 1,
On amène bien le genou, c'est le plus important. 4. On a bien le dos qui est droit, les épaules qui sont sorties. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Et 15. Pareil de l'autre côté. Et 1. 2. 3. 4. 5. On a le dos droit. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Super. Ensuite, on va faire le plank side to side. Le plank side to side, ça veut dire que vous êtes sur les coudes, vous êtes en position de planche, vous êtes assez stable. Ça veut dire que votre dos est droit, les épaules qui sont sorties et vous balancez les hanches de part et d'autre. Et c'est parti, 1, 2, 3, 4, soufflez bien, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Super. Ensuite, on va faire le lever de jambes. Alors, vous vous allongez. Vous avez le dos plaqué au sol, les fesses plaquées au sol, les bras le long du corps. Vous levez les jambes les plus droites possible. Surtout pas plier. Si vous n'arrivez pas à les avoir tendues, vous les pliez dans ce cas-là. C'est parti. 1, c'est parti pour 12. 2, suffisamment long pour que ça puisse bien travailler. 3, 4, 5, soufflez bien, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Super. Ensuite, on va prendre 2 minutes de pause. Vous buvez l'eau, vous respirez. Je mets le petit minuteur pour 60 secondes. Et fois 2. Donc, 2 petites minutes. Oui, c'est ça. Buvez de l'eau, respirez, sentez-vous bien. C'est le plus important. Après, je vais vous expliquer. En fait, on va faire exactement les deux mêmes séries qu'on vient de faire là, mais beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre 20 secondes de pause entre chaque exercice, mais on va les enchaîner avec, bien évidemment, 10 secondes de pause entre chaque exercice. Parce que comme ça, ça fait travailler encore plus les abdos et comme ça, on va encore plus brûler les graisses abdominales et comme ça, vous allez avoir un ventre plat. C'est super. Alors, je vais régler pour qu'on puisse avoir que 10 secondes de pause entre chaque exercice. Soufflez bien, respirez. Super. Reprenez bien votre respiration, c'est le plus important. Encore une petite minute de pause. Et après, on est reparti. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser aussi en commentaire, ça m'intéresse
énormément. Et sinon, un petit pouce bleu si vous avez fait la séance, un petit commentaire pour me dire comment est-ce que vous avez trouvé la séance. Il faut toujours avoir la patate, toujours être en forme, toujours se sentir bien dans sa peau, c'est vraiment le plus important. Et on va repartir. Alors, voilà, super. Donc, on va écouter le petit minuteur et on est parti pour le mountain climber. Et c'est parti, on se met en position. Et c'est parti pour 30 secondes. Allez, on y va. Soufflez bien. Vous soufflez bien, vous avez les épaules sorties, vous n'êtes pas avachi, vous avez le dos droit. Allez, on ne lâche rien. Super. Ensuite, on va se mettre en position de planche. Vous vous allongez et on va se surélever tous ensemble. C'est bon, c'est parti, go! Et vous soufflez. Contractez les abdos, contractez les fessiers. Super. Ensuite, on va se retourner et on en a pour 30 secondes. Allez. C'est parti. Go. Vous n'êtes pas sur l'épaule, surtout. Soufflez bien. Super. Ensuite, on va se mettre en position de plank side to side sur les mains. Très bien. Et on essaye de toucher le coude avec le genou. Allez, c'est parti pour 15. Et 1. De chaque côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Super, pareil de l'autre côté. 1, 2, on amène bien la jambe. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Super. On va passer au plank side to side sur les coudes. Allez, c'est parti pour 15. Et 1, 2, on a le dos droit. On est en position de planche. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Super. On va passer en position de levée de jambe, comme tout à l'heure pour 12. On prend 5 secondes sa respiration. Allez, on est reparti, on a le dos bien plaqué au sol, je vous le rappelle. 1, 2, 3, 4, allez, allez, on ne lâche rien. 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 et 12. Super. On se prend deux petites minutes de pause et on est reparti exactement pour la même série. Allez, on prend sa respiration, on boit de l'eau. Alors, pourquoi ? Alors, je suis vraiment désolée. C'est génial ! En fait, mon chéri, il n'avait plus de batterie sur son téléphone. Donc, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai... C'est super. C'est pas grave, hein. Je vous mettrai les deux morceaux bout à bout, il n'y a pas de souci. On va reprendre tout doucement. Vous buvez un tout petit peu d'eau. Voilà. Et on est reparti. Allez, c'est parti pour le mountain climber. Est-ce que vous avez la pêche? Est-ce que vous en avez envie? Alors, on y va. C'est parti, mes petits choux. Go! Alors, je remets le petit minuteur et c'est nickel. Allez, on y va et go pour le mountain climber. Soufflez bien. Soufflez bien, c'est le plus important. Super. Super. Ensuite, vous vous mettez en position de planche. Et on attend que le petit minuteur nous le dise. Allez, on est parti. Allez, on est parti. Vous soufflez bien. Vous contractez les abdos, vous contractez les fessiers. Vous n'êtes pas sur votre épaule. Le corps doit être droit. Soufflez bien. Toujours avec le sourire, on a la patate. Super. On passe de l'autre côté. Allez, on est parti. Dans 5 secondes, on se met bien en position et on se surélève. C'est parti. Soufflez bien. Super. Maintenant, on va se mettre en position de knee to elbow. Ah, ça fait du bien. Sur les mains. 15 à droite et 15 à gauche. Allez, on est parti. C'est parti. Et 1. On amène bien la jambe et on souffle. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On ne lâche rien. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Super, j'ai un cheveu dans la bouche. Ça fait du bien de l'enlever. Bref, désolé. Ensuite, on va se mettre en plank side to side. C'est hyper désagréable. C'est bon. Allez, on y va pour 15. 1, 2, 3. 4, on est en position de planche, on a le dos bien droit, on n'est pas en axe, en circonflexe. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Super. Ensuite, on va faire le lever de jambe pour 12.
Et après, on a fini. On est parti? On est parti. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis. Hein. Allez. Un. On souffle bien. Six. Sept. Huit. On a le dos bien plaqué au sol. 9, 10, 11 et 12. Ah, super. Bravo. Oui. Bravo mes petits choux, je suis super fière de vous. Je suis vraiment super contente. Buvez de l'eau, respirez, ensuite on fait les étirements. Et maintenant, on va pouvoir s'étirer le dos. Allez, on va le plus loin possible. Soufflez bien, soufflez bien, soufflez bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé la séance, ça m'intéresse. Un petit pouce bleu si vous avez fait la séance. Voilà mes petits choux, alors je suis super contente parce qu'on a pu faire cette séance tous ensemble. Et sinon, j'ai une petite nouvelle à vous annoncer. C'est que maintenant, je suis dorénavant sur Instagram TaiFit, sur Facebook TaiFit, mais sur Instagram plus spécifiquement, puisque en fait, je poste aussi tous les messages, les photos, tout ce que vous m'envoyez. Merci infiniment d'être de plus en plus nombreux. C'est génial, j'en suis éternellement reconnaissante. On est plus de 300 sur cette chaîne YouTube et tous les jours ça augmente. C'est juste un truc de malade mental en fait, genre juste merci. Et sinon, voilà, sur Instagram, je partage tout ça. Et sinon, je vous donne rendez-vous mercredi sur Zoom à 17h45 pour un challenge sportif et demain pour une nouvelle séance de HIIT. Voilà mes petits choux, je vous fais des gros bisous. Mouah.